Blade Souls. Just madness how he kept on going. Oh, Peppy here. Left to the bottom. Oh, spinning elbow. My name is Laurin Staropoli, I'm from Argentina. I represent Argentina and MMA Factory. Yes, I feel so exciting for this opportunity. For me, it's the best opportunity of my career, fight for the belt of one big company like Ares. It's amazing for me because with this belt, I know the many good things will be started to be better for my career. I am very good fighter. I like my style because it's a dog fight, you know. I like the war, I like the blood, I like go to the war all the time. When I stay in the front of my opponent, I say, now let's go. Let's go to the war, motherfucker. Laureano, il a commencé très tôt à se préparer, là il est très en forme. On est vraiment confiant, là il est fort, il est rapide. Il a une bonne endurance, je ne l'ai jamais vu en aussi bonne forme. On a amélioré tous les points, on a beaucoup travaillé sur la force, gros travail sur le cardio en général. Beaucoup de vitesse, vous allez voir un gros puncher, un gros striker qui va tenir sur la longueur, ça va être vraiment passionnant. Et je pense que les gens vont être surpris en voyant l'état de forme et l'état technique de Laureano. Ekel Labou, 22 wins, 11 losses since 2011. Je suis sur le circuit depuis pas mal d'années maintenant. J'ai signé il y a peu de temps au ARS. J'ai fait une victoire importante dans ma carrière contre Karl Amoussou. Et aujourd'hui, je remets le couvert face à Pepito. Combattre pour la ceinture du ARS, c'est évidemment quelque chose qui m'excite. J'ai tout fait pour combattre pour cette ceinture. Je leur ai dit que même si je gagnais la ceinture, je m'engageais même à les réunifier avec la vraie ceinture, entre guillemets, celle que Abdoul détient. Je suis hyper content de combattre en 5 rounds. Et évidemment, combattre au Dôme de Paris, on le sait tous, c'est grisant pour les combattants. Et effectivement, ça m'excite beaucoup. Il est sur une très bonne dynamique, il est vraiment déterminé, il fait vraiment des efforts importants, comme jamais je l'ai vu faire. Il a une grosse capacité cardio, on a vraiment travaillé sur la résistance. Il est un peu plus explosif, il est plus fort. En accumulant les préparations, il a gagné en qualité physique dans tous les domaines. Franchement, moi j'ai aucun doute sur la victoire de Mika. Tout le monde le sait, je suis pas le plus technique. Sur le côté arts martiaux, le côté artistique de la chose, c'est pas ce qui me définit le mieux. Par contre, sur le côté martial, je suis déterminé. Et jusqu'à la dernière seconde du dernier round, ils savent que je suis présent, ils savent qu'on va en découdre. Et je pense que c'est ça aujourd'hui ma plus grande qualité. Je vais l'user, je vais le bagarrer. Je vous assure que je vais l'amener en eau profonde et ça va se voir dans ses yeux. Vous allez voir qu'il va être en dette d'oxygène. Et c'est lui-même, dans ses yeux, il va me demander de faire en sorte que j'abrège le combat. J'espère qu'il est prêt physiquement. Je me suis très bien préparé. Je vous assure que je vais l'user comme il n'a jamais été usé dans sa carrière. Pepi, ce que j'ai aimé chez lui, c'est qu'il est polyvalent. Il sait absolument tout faire. Il sait lutter, il sait striker. C'est pas quelqu'un que vous pouvez amener au sol comme ça facilement, vous pouvez garder au sol. C'est un vrai combattant de MMA. This is the Napoleon from Argentina. It's San Martin. The hero number one. The number two is Maradona. Number three is Messi. And number four is mine. My opponent has a very good career, but he started to speak about me, about my team, about my coaches. He wanna try he's a bad boy or something like that, and he's ridiculous because he's a fucking old man. I love the fight, you know, it's the best sensation of my life. If it's for me, I fight every weekend. I don't scare about that. I don't scare about nothing. Something inside of me say me that this fight will be the best fight of my career. I know that because I prepare so fucking well for everything. I stay here so fucking far of my family, of my girlfriend, of the people that I love. I am out of my zone of comfort and I work so hard every day for take the victory for me and for my people. Mais là, c'est fou le truc.
Ça, c'est Messi, ça. C'est l'Argentine. Fout la merde. Même dans Paris, fout la merde. Si j'ai pris le défi, c'est que je suis persuadé de le faire. Je suis armé pour aller récupérer cette ceinture. The belt is mine. 7 April, I want to stay there for take the things that is mine. J'ai un seul message. Unblock me, Pepito. Unblock me. La guerre, Pepito. C'est pas maintenant qu'on se la fait. C'est le 7 avril. Micaela, prepare yourself, stay ready, and I go for the belt, motherfucker. Oh, and I'm saying a kiss in your ass.